معانا عربية. لاد هومانيتير arrivée de plusieurs capitales s'empile dans le Sinaï égyptien frontalier de la bande de Gaza, bombardé et assiégé par Israël, sans toutefois rejoindre le territoire palestinien. Déjà, des cargaisons d'aide jordanienne, turque et émiratie ont atterri à l'aéroport de Larish, chef-lieu du Nord Sinaï, ainsi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza, envoyées par l'Organisation mondiale de la santé. L'Égypte a, elle, envoyé un convoi d'une centaine de camions transportant 1 000 tonnes d'aide. Israël, qui contrôle les deux autres ouvertures sur Gaza, a décrété un siège complet après 16 années de blocus, interdisant l'entrée de nourriture et coupant l'eau et l'électricité aux plus de 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien. Dimanche, des témoins ont rapporté que le blocus de béton installé par les Égyptiens après les bombardements israéliens pour renforcer leurs frontières était toujours en place, semblant indiquer qu'aucun passage n'était envisagé dans l'immédiat.